D'accord. On a commencé. Bonjour à tous. On attend des gens. Et on commence. Juste 1 ou 2 minutes pour commencer. Comment allez-vous? Alors, c'est 3h02 et on commence 2 minutes pour attendre et après, nous sommes prêtes. D'accord. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir à notre webinaire. Tout le plus intéressant et pertinent dans le monde SWC. Écrivez, s'il vous plaît, comment vous pouvez me voir, comment vous pouvez me entendre, si c'est bien, si c'est OK ou non. C'est très important. Alors, si vous regardez cette webinaire hein, sur YouTube, peut-être, hein, c'est aussi important de suivre des règles de cette webinaire. Parce que vous pouvez fixer vos questions et poser ces questions par votre coordinateur à moi. D'accord? OK. On commence. Premièrement, on parle, pour commencer cette webinaire, on parle des règles de notre webinaire. Premièrement, participer et répondre aux questions. Deuxièmement, écrivez vos questions fixées sur la liste de papier ou dans les notes. Et troisièmement, distribuer ce webinaire, s'il vous plaît, parce que ce sont des nouveautés de notre société, de notre communauté, SWC. Et c'est très important pour que beaucoup de gens comprennent l'information de cette webinaire. Alors, je m'appelle Jeannette. Et je suis méthodologiste du chef de SWC, surtout à localisation. C'est le département de localisation, d'internalisation de nos cours, de notre plateforme d'apprentissage et d'adaptation. Alors, et c'est formidable. D'avoir à nouveau l'occasion de partager avec vous d'informations importantes au sujet de SWC parce que je pense que quelques gens, j'ai déjà fait connaissance quand j'étais en Turquie et les autres voyages avec SWC. Alors, je voudrais commencer par la description des faits de notre technologie, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez rappeler. Alors, la technologie que nous fournissons est unique. N'oubliez pas cela et faites appel à l'énergie et à la force de notre proposition de vente unique. Est-ce que vous connaissez notre proposition de vente unique? Oui, on le mentionnait un peu plus tard dans cette webinaire. Notre avantage est clair, la demande, le soutien au plus haut niveau. C'est pour maintenant, je pense que vous le voyez aussi dans vos régions. On a besoin de nous partout et une solution tout à fait déjà proposée. Il n'y a pas de véritable concurrence et il n'est pas prévu dans les années à venir. Et je voudrais vous rappeler que la fois passée, quand c'était le webinaire par moi, j'ai mentionné que quelques délégations des États-Arabes Unis de lundi sont venues à charge pour
un autre centre à charge pour voyer notre technologie, pour faire des contrats, pour faire la certification, etc. Alors, toutes ces collaborations sont en progrès. Ce que je voudrais ajouter, la communauté est basée sur des choses importantes et avec une compréhension des principaux marchés financiers. Nous sommes nous-mêmes un immense instrument financier et le futur levier d'une économie de marché. Notre pouvoir est aussi très fort pour maintenant et c'est en progrès déjà, en élaboration. Au sujet de notre élaboration développement, un, trois pas. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Premièrement, c'est la formation de communauté. Ah oui. Deuxièmement, c'est changement de marque de la communauté. Troisièmement, c'est mise à l'échelle de la communauté. Ce sont nos étapes pas à pas, oui, développement pas à pas pour notre communauté. Pourquoi communauté, mais pas site ou quelque chose comme système ou quelque chose comme ça? Comme vous le savez, notre concept est désormais communautaire. Oui, nous avons un programme d'affiliation, mais il n'y a pas d'achat obligatoire et de biens de statut restrictif. Nous créons une nouvelle génération de communautés environnementales internationales. C'est quoi ce que vous voyez maintenant dans ma présentation, dans mon webinaire et dans le cadre de développement de SWC. Notre principale active, comme vous savez, c'est depuis 2016, c'est le capital social. C'est le capital social, c'est pourquoi nous faisons former cette communauté. Alors, on continue. On continue. Si c'est clair, du modèle de communauté, on continue. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons la proposition de vente unique. Et dans le cadre de cette proposition de vente unique, je voudrais vous rappeler les trois éléments de base de SWC. Est-ce que vous avez déjà entendu dire de ces trois éléments? Dis-moi s'il te plaît. Est-ce que vous avez déjà entendu dire de ces trois éléments? Peut-être vous avez visité mon, ou regardé mon webinaire passé. Peut-être. Peut-être non, mais vous avez, vous devez le connaître parce que ce sont trois éléments de base de SWC. Il signifie vert, signifie orientation sociale, communauté, comme nous avons déjà dit, interaction écologique et objective. C'est en couleur vert. Ah oui? Deuxième couleur, violet. C'est la couleur d'innovation, de la technologie. C'est le symbole de plateforme d'adaptation et d'apprentissage. On le discutait un peu plus tard aussi aujourd'hui. Il s'agit d'un produit informatique et plein croissance. Nous créons déjà un système LMS. Et à l'avenir, elle sera constamment mise à jour. Notre objectif est d'amener tous nos cours sur notre propre plateforme. Beaucoup de speakers, nous avons des speakers internationaux, géants, signifient
vraiment professionnels, speakers, experts. Ils vont être présentés sur cette plateforme. Oui. Couleur numéro 3, bleu. Et compte personnel, éléments statistiques et applications. Oui, c'est notre plateforme financière. Alors, je résume. Vert signifie orientation communautaire. Violet, la couleur d'innovation. Oui. Bleu, c'est plateforme financière. Oui, trois couleurs. Ce sont de base éléments de base de SWC. On continue. Notre communauté embrasse plus de 200 pays. 200 pays. Notre communauté embrasse. Et chaque jour, nous travaillons sur la réputation de voleur, le produit de notre communauté. Et bien sûr, pour maintenant, un SWC, c'est une communauté mondiale qui s'efforce d'atteindre un niveau supérieur au niveau Sky. Oui, supérieur au niveau Sky. Et dans le cadre de cette élaboration, de ce développement, nous changeons notre livre de marque, brand de book, oui, notre logo. Nous avons déjà discuté l'élaboration de notre logo. Vous pouvez le regarder pour le webinaire passé. Je pense que c'était en octobre. Si je me rappelle bien, c'était en octobre. Oui, vous pouvez le regarder sur YouTube ou peut-être demander la link de votre coordinateur. Mais maintenant, je voudrais attirer votre attention sur notre logo encore une fois. C'est notre logique de logo. Premièrement, c'est deux nouveaux partenaires de la communauté. Deuxièmement, c'est terre et ciel. Et troisièmement, c'est espace. Oui, c'est quelque chose technologique, c'est quelque chose qui reflète espace. Je voudrais ajouter que ce n'est pas un changement de marque spontané, de notre logo, de livre de marque. Ce sont des changements planifiés dans le cadre de notre transformation. À l'heure actuelle, le préfixe Sky est la plus haute qualité de prestation de service. Nous sommes fiers du nom Sky et créons un produit compétitif dans l'environnement financier et d'investissement. Oui, c'est notre domaine principal. C'est un logo. OK. On revient à la communauté SWC. C'est-à-dire quoi? Nous internationalisons et grandissons chaque jour, comme vous savez. Tout le monde est bienvenu à la communauté SWC. De 200 pays, des gens de régions différentes, nationalités, etc. Mais il doit correspondre, chacun doit correspondre à certains critères. Ce sont il doit soutenir notre idéologie et s'accorde avec le vecteur de développement. Vecteur de développement. Deuxièmement, venir ici pour changer sa vie. Ça doit être devoir de gens qui arrivent à notre communauté. Ils doivent vouloir changer leur vie, sa vie. Troisièmement, prêt à apprendre et ouvert de nouvelles connaissances.
Communiquer nous croyons que communication dans le cadre de notre société, dans le cadre de notre communauté, c'est une chose la plus importante. Élaboration, développement et les liens sociaux, oui, entre communication de membres de communauté SWC. Point numéro 4, veut créer un coussin financier pour lui et sa famille. Oui, bien sûr, c'est notre valeur. Et cinquième, pas indifférent à l'avenir de la Terre et de ses descendants. C'est aussi notre valeur qui sont reflétées dans notre logo, oui, dans notre logo, dans notre élément de base de SWC, etc. Pardon? Oui, que je voudrais ajouter. C'est important parce qu'on poursuit d'informité, de développement, oui, et d'intérêt de la communauté SWC. Pour nous, l'uniformité, c'est très, très, très important. C'est ça que nous formions dans le cadre de notre communauté. Ici, le respect du développement d'environnement est absolu et nous avons tiré cette tendance de la logique de Unitsky dans le respect de l'environnement de notre communauté. Après tout, les gens qui viennent juste pour s'arracher, ils ne s'attardent dans notre rôle et notre communauté. Je pense que c'est logique parce que d'habitude, quand nous avons l'uniformité dans le cadre de communauté, personnes qui sont contre, ils ne s'attardent dans cette communauté. C'est normal, c'est logique. Et pour nous, c'est très important que chacun sont confortables dans la communication entre les membres aux communautés. On continue. Ok. Alors, dis-moi s'il te plaît, notre communauté, c'est quoi? C'est quoi? Comme pensez-vous? Notre communauté, c'est quoi? Qu'en pensez-vous? Vos suppositions. Notre communauté, c'est quoi? Bien sûr, c'est gens. Bien sûr. Et c'est pourquoi nous faisons former un système pour ces gens, pour des membres de notre communauté. Premièrement, cultivons des conférenciers et des formateurs cool au sein de la communauté. Deuxièmement, nous recueillons des milliers d'audiences et chargeons les gens. Aidons à aller jusqu'au bout, aux débutants, à l'expert. Transformation de membres de notre communauté. Et quatrième chose, motivons les leaders et transmettons l'idée avec sincérité. Tout le monde réussit. Je voudrais ajouter que dans le cadre, dans le contexte d'événements dans le monde qui se passe chaque jour maintenant, en 2022 et peut-être continue. En plus, c'est très important d'aider chacun dans notre communauté, être comme un support pour chacun, oui, entre les membres de notre communauté. C'est pourquoi nous motivons tout le monde et on dit que tout le monde réussit. Mmh.
Alors, maintenant, vous savez que nous faisons former la communauté dans chaque région où sont les participants, hein, partenaires ou membres de la communauté. Pourtant, ce n'est pas suffisant juste pour développer la communauté. Il faut aider ses membres à grandir. Oui, ce slide, c'est-à-dire de cet système, de ce principe, de le système. Comment faire agrandir à nos membres. OK. Quelle idée avez-vous sur la façon dont nous aidons les membres de la communauté à grandir? Oui, des instruments. Quels sont des instruments? Qu'en pensez-vous? Le système à grandir, c'est clair. Oui, formateur, conférencier, peut-être mentor, etc. Mais quels sont les instruments? Quels sont les instruments? On élabore la plateforme d'apprentissage et d'adaptation. C'est comme ça. Vous le pouvez voir sur le slide. Il s'appelle Smart World Community. Smart World Community. C'est en anglais, pardon. C'est en anglais. Oui. C'est notre plateforme d'apprentissage et d'adaptation qui est en progrès maintenant. Ça va mettre à jour dans quelques mois, au début de 2023. Mais on travaille sur cette plateforme chaque jour avec plus de 10 méthodologistes, chaque jour, plus de 10 méthodologistes, designers, les managers et les autres gens de notre, les autres membres de notre équipe. Oui, chaque jour, on travaille sur cette plateforme. Quoi nous faisons pour former ce système? On attache au module de pré-apprentissage ce que chacun peut comprendre, quoi faire, quoi choisir pour continuer leur formation. Oui, c'est pré-apprentissage. Deuxièmement, apprendre sur les courses. Troisièmement, augmente le niveau de qualification, c'est-à-dire par exemple de débutant à l'expert. Augmente le niveau de qualification. Ah oui, pour nous, la qualification, c'est-à-dire pour être plus réussi, plus dans leur propre but. Dans le cadre de notre compagnie ou en général dans la vie, cette plateforme, c'est pour toute compétence, pour se croître dans toutes les compétences. Oui. Et le quatrième chose, c'est devenir un expert à part entière, top leader ou ambassadeur. Ah oui. Pour créer une plateforme, des experts externes supplémentaires, des personnes ayant une expérience dans le commerce international sont impliquées. Comme vous voyez, nous essayons d'adopter des technologies dans le monde entier. Oui, nous avons beaucoup de interviews avec des experts pour choisir les meilleurs. Nous faisons des tests des questionnaires, etc., pour vérifier que sont les meilleurs.
que ces speakers, ces experts sont meilleurs, parce que pour nous, c'est important. Pas juste embrasser toutes les technologies sur la plateforme, mais faire avec une approche très claire et utile pour vous. Alors, lors de la préparation du matériel de formation, nous utilisons et prenons en compte pratiques étrangères, principes de constitution des grandes sociétés, méthodologie de vente basée sur l'expertise interne, psychologie de la pensée et de la rétention, programmes et algorithmes entreprises vertes. Oui. Et grâce à ce système, nous avons notre propre système, nous élaborons notre propre système technologique comme plateforme d'apprentissage et de formation, d'adaptation, pardon, qui est adoptée pour les partenaires. Surtout pour les partenaires, y compris ces cinq paramètres, oui, qui nous prenons en compte. Ce que vous allez voir sur la plateforme d'apprentissage et d'adaptation. OK. La plateforme se compose de devoirs. Bien sûr, vous allez avoir des lectures, des pratiques, des devoirs pratiques, des traîneurs, des tests, des interviews, etc. Oui, la plateforme se compose de résumés, bien sûr, parce que vous pouvez télécharger ces résumés et utiliser quand vous le voulez. C'est très convenient, je voudrais dire, bien sûr pour vous aussi. Et la plateforme se compose de commentaires de curateurs. Nous comprenons que c'est très important d'avoir le feedback toujours dans tous les exercices, dans tous les tests, etc. Alors, vous allez l'avoir. Commentaire des curateurs. Quand le lancement de la plateforme française est prévu début 2023. Je voudrais expliquer vous que nous faisons cette plateforme comme plateforme d'adaptation, c'est-à-dire que nous prenons en compte les spécifications de chaque région. Ce n'est pas facile de comprendre comment le faire si vite et en moment, oui, à la fois. C'est pourquoi nous faisons des interviews, nous invitons des speakers spéciaux, nous avons des sessions stratégiques avec des leaders, des experts, etc. Ce que nous préparons pour le début de 2023. J'espère, je suis sûre que je vais donner un webinaire avant de cet lancement et annoncer pour la fois prochaine peut-être ou un peu plus tard, je vais annoncer cet lancement. Oui, pas encore. Et nous conclurons notre webinaire d'aujourd'hui avec des phrases qui reflètent notre approche et notre communauté.
Nous créons de la valeur, nous les formons à la diffusion, nous fournissons tous les outils et opportunités pour cela. Dans le contexte des événements actuels dans le monde, oui, nous nous sommes également fixés sur tant de tâches, devenir un leader sur le marché, des services d'investissement et coopérer de longue date au financement de Unitsky. Sur cette note positive, nous terminons le webinaire d'aujourd'hui avec vous et je serai heureuse si les informations vous ont été utiles et si vous avez aimé le webinaire, évaluez votre score à la fin du webinaire. Si vous n'aimez pas quelque chose, écrivez au chat. À bientôt. Au chat, pardon. Écrivez au chat. À bientôt.